Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous commencez bien la semaine, courage à ceux qui sont déjà au travail. Je vais faire une petite vidéo, alors là pas du tout d'analyse technique etc. C'est juste que à peu près comme tous les jours je regarde un petit peu l'actu sur divers médias au niveau de la crypto. Et donc, et dont Journal du Coin que vous connaissez peut-être, CryptoTo, c'est tout, enfin bref, il y en a plein. Ça fait plusieurs fois qu'on commence à voir, on entend parler de Google. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Google se positionne de plus en plus dans l'univers de la crypto. Et du coup, je voulais juste en parler, donc ça sera une courte vidéo juste pour parler de ça, parce que je trouve que c'est assez important et ça peut avoir un impact sur nos cryptos, bien évidemment. Vous savez que nos cryptos, pour l'instant, elles sont, comment dire, connues, ou du moins détenues plutôt, parce que connues, ça va, mais détenues plutôt par une faible partie de la population quand même. Et on voit qu'il y a plein de tentatives, notamment par plein de sociétés, McDo, Starbucks, enfin bon bref, d'essayer de faire des paiements en Bitcoin, etc. Donc forcément, ça aura un impact sur la crypto-monnaie en général. Puisque eh bien, ça voudrait dire que monsieur et madame tout le monde pourraient détenir du bitcoin pour pouvoir payer son burger, pour pouvoir payer des choses diverses et variées. Et Google se lance aussi là-dedans. Donc Google annonce dès 2023 que en gros son cloud pourra se payer en bitcoin. Donc vous savez qu'on peut payer sur Google Play avec carte de crédit, PayPal, etc. etc. Mais du coup, on pourrait avoir le bitcoin comme monnaie. Donc ça, c'est une chose qui peut aider les cryptos à se booster, et donc c'est plutôt bon signe. Mais c'est pas ça le plus intéressant, parce que ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment le scoop. Depuis quelques temps, vous pouvez afficher sur Google, en gros, si vous avez une adresse Ethereum, vous pouvez la rechercher sur Google et vous aurez le montant, en gros, de l'Ether qu'a l'adresse Ethereum sur laquelle vous avez cherché. Okay. On sait que la blockchain, c'est fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de nœud central, entre guillemets. Alors le mot nœud n'est pas le bon, mais il n'y a pas d'autorité centrale qui va réguler, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde ont le droit de visualiser bien ce qui se passe dans la blockchain, donc c'est comme si c'était un grand livre, avec toutes les transactions, etc. Combien ce portefeuille détient d'Ethereum, de Bitcoin, de je ne sais quoi. Okay. Donc on sait que la blockchain se veut transparente de par ses caractéristiques, en fait. Okay. Donc, que Google fasse comme Etherscan, en gros, d'afficher les adresses des gens, que ce soit accessible, beaucoup dans le milieu de la crypto-monnaie vont vous dire « oui, mais en même temps, ça c'est ce que veut aussi la blockchain et le pourquoi elle a été créée. Okay. » Après, le problème de ça, c'est qu'est-ce que va faire Google de ces données-là? Parce qu'on sait que Google, c'est un des premiers à collecter des données en masse sur nous pour notamment la pub et le marketing. Et on sait que les données dans notre milieu, c'est quelque chose qui coûte, qui rapporte très 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 cher. Et ça donne du pouvoir à des sociétés comme Google de manière inconsidérable. Donc la question, c'est... Ok, oui, Google peut, avec Google, on peut, avec une adresse de portefeuille, voir le montant, ça c'est pas un souci. Mais que va faire Google de tout ça? Que va faire Google de ces données? Parce que l'autre volonté aussi, c'est quand même de pouvoir rester avec de l'anonymat, etc. Et c'est là où, encore une fois, ça se complique, c'est-à-dire que Google voudrait... associer vos comptes Google, donc si vous avez un Gmail ou même tout simplement un compte Google, on en a tous, enfin tous je sais pas, mais en tout cas on est beaucoup à en avoir, et donc votre compte Google et vos portefeuilles crypto. Et donc là ça commence à poser problème pour beaucoup d'entre nous, et puis j'en fais partie un petit peu, c'est que du coup on n'a pas du tout cette histoire d'anonymat, etc. Et on sait que la volonté des États en général dans le monde est de surveiller la crypto un maximum, parce qu'il y aurait beaucoup de blanchiment d'argent, etc. etc.
Et bah, concrètement, Google pourrait être un acteur privilégié là-dedans. Donc voilà, moi ça me pose un petit peu problème tout ça. Pas qu'on fasse du trafic ou quoi, mais c'était le côté un peu anonyme de la chose, quoi. Donc c'est vrai que sur cette récupération de données, de dire bah voilà, derrière ce portefeuille, c'est telle personne, etc., bah, ça veut dire qu'on peut très vite vous remonter, quoi. Et ça, par rapport aux volontés de la blockchain, je trouve que c'est dommage parce que ça perd de, bah ça perd de son, du sens en fait, tout simplement. Et là, je vois ce matin, et c'est ça qui a déclenché la vidéo, parce que ça, je voulais déjà en parler, mais je m'étais dit, bon, pas grave, etc., on en parlera peut-être plus tard. Et là, je vois maintenant, donc j'ai pas été vérifié, hein, genre juste de le voir, et quand j'ai lu, je me suis dit, ok, on allume le logiciel d'enregistrement et on go pour la vidéo. Arnaque crypto, pourquoi Google a sa part de responsabilité? Et donc, en gros, vous savez, Google tout en haut a toujours les liens sponsorisés, etc. Eh bien, Google bah, fait la pub même des scammers qui ont des sites pour le phishing, hein, grosso modo. Et du coup, eh bien, monsieur, madame, tout le monde qui veut, je sais pas, aller sur CoinMarketCap, par exemple, qui est quand même un site. Un site qui est quand même très utilisé, alors peut-être pas par monsieur et madame tout le monde, mais par nous en général, acteurs de la crypto, eh bien on a directement vu sur les fraudeurs. Et alors ça, je trouve ça, enfin, je trouve ça fou, quoi. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment fou. Donc déjà, le marché de la crypto-monnaie fait peur, mais alors là, pour le coup, ça va vraiment pas aider si, en gros, même sur Google, vous pouvez avoir tapé et avoir des scams. Alors c'est vrai qu'il y a ça un peu partout, faut pas non plus... Voilà, j'accuse pas forcément Google sur le marché de la crypto, parce que des scams, il y en a partout. Et je pense qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'il se passe ça. Mais je trouve que voilà, c'était intéressant de vous en parler. C'était intéressant de parler du positionnement de Google, de ses problèmes d'anonymat, de ses problèmes de fraude, etc. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou pas. En tout cas, n'hésitez pas. Donnez-moi vos avis en commentaire, je trouve ça assez intéressant, c'est un sujet qui est important. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.